Hello Fashion Week, we are at Palais de Tokyo at Andrew Jean. Come with me and let's discover who is first row. You know my taste, you know I like weird, colorful things, so let's see who has the look that we are going to discover in this show. Here we are with Manos Samartis, he's from Greece, so he's an Italian designer. Hello Manos, what are you wearing today? I'm wearing Dignac pants, les hommes sweater, leather sweater, and Hilarious hat. Today with Dior, it's a beautiful and amazing details like shoes. Shoes is really tight, boots like so small, and then plexiglass tiles, and then the colors and the volumes. It's amazing. Okay, thank you, Manos. Hi, Creative Factory. Hello, Andrew G. We are in backstage with Elina Alimi. So, how are you today? Très bien, très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous portez pour le défilé? Ça, c'est une haute couture de Igor Chipurin. C'est un créateur russe que j'adore. Et en fait, quand vous vous habillez pour la Fashion Week, vous pensez à quoi? Ça veut dire vous vous inspirez à quoi? Il y a quelque chose que ça vous attire le plus? Quand je m'habille pour Fashion Week, je pense à tout. Il y a plein de choses à quoi il faut penser. D'abord, il faut changer les looks tous les jours. Et bien sûr, j'ai choisi les marques des designers que j'aime bien. Première chose, c'est ça. Je choisis des looks par rapport à les gens que j'aime. Et c'est très important, j'essaie de porter ce qui me va. Pas uniquement porter ce que j'aime, entre guillemets. Autre chose, par rapport à accessoires, c'est quoi comme marque? Parce que c'est très original. Les Faza Young. C'est une créatrice d'origine turque qui vit en France et qui fait des super produits. Tout est en plastique, mais je trouve ça très créatif et très bien vu. Est-ce que vous pouvez parler de votre travail dans la mode? Comment ça marche? Je suis directrice artistique et je suis une acheteuse de boutique Kabuki. Alors j'achète les collections, je regarde, après j'achète dans les showrooms, après je pense au display, après je pense aux vitrines et à tout ça. C'est de podium jusqu'à consommateur. Ok, donc... Comment présenter le mieux les collections que les créateurs nous proposent. Donc vous avez une grande connaissance des marques, quoi. Vous savez vraiment ce qui va marcher ou ça ne va pas marcher. J'essaie de deviner qu'est-ce que les clientes vont vouloir pour la saison prochaine. Mais il y a toujours, en défilé, il y a toujours les coups de cœur. Alors, c'est quoi les tendances pour cette saison? Qu'est-ce que vous avez acheté les plus? Les tendances, mais je pense que c'est clairement dans tous les défilés, plus ou moins, il y a les silhouettes très longilignes, il y a les longs manteaux, c'est ce qu'on a envie. Ça, c'est sûr que la saison prochaine, s'il y a une pièce à acheter, c'est une long manteau. So, we are with Elina Alimi for Kabuki. Thank you. Hello, in backstage with Andrew G. So tell us a little bit like about your inspiration. What is all this fluidity of these dresses and fringe? Well, I love fringe. I've always loved fringe, and I feel that this season is really the right moment to do it because also it has a bohemian feel to it. You add it to a coat, you add it to a dress, you sort of feel that when you move, there's a movement to it, you get very sexy. The girls are having fun when they're queuing up, they're like sexy, they're moving, it gives them a bohemian feel. And basically the season is about a noble family, Venetian most probably, and who's also very bohemian, and they live with very little means, and they try to, you know, make do with what they have, hold on to the Venetian palaces, and children are going around, winter is so cold, they're going out to cut off the carpets, cut off the tapestries, bringing it to make into a coat, using brocades and silk from the dusty trunks and braidings and everything, and then they make into a new wardrobe with them. So it's a very noble and bohemian two things combined together, and I find it's extremely interesting. It's very modern in a way. And what about the textures? We saw a lot of textures, big sweaters. Everywhere. It's all hand-knitted sweaters. You have the evening gown right there to depict the decaying wallpaper. Merci, Cédric.
And you know, so it's all chiffon and sequins, all turning the different texture, big mohair coat. It's like the little girl going to the wardrobe or the great-great-grandmother, pull out their late 19th century huge coat, transform it into a coat, put on a fur collar, put on the boots, and go out and dance. Can you tell us what three qualities that the woman must have to use your dresses? Like, I mean, who is a woman that can interpret Andrew? I think a woman who loves my dresses are actually women who can tell her her polyester lining from a silk lining. And most polyester women only wear silk lining. That's one great quality. And she's fearless. She has luxury. You know, she's not. She loves luxury, and nothing is going to stop her from loving luxury. So this is a, yeah. We are with Andrew J.